Bonjour tout le monde, voici à nouveau l'archange Gabriel pour obtenir des messages de sa part et nous allons faire la vidéo pour les Verseaux pour août 2023. Gabi, je prends quel jeu? Celui-là? Allez, pour les amis Verseaux pour août 2023, quelles vont être les énergies? Quels sont les messages de l'archange Gabriel? Pour les amis qui regardent la vidéo. Voilà, vous partez à l'aventure, les amis. Vous allez partir à l'aventure. Celle-ci. Un engagement pour vous. Un engagement. Et l'ouverture d'esprit. Vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va venir vers vous. Hop là, celle-ci, elle vient sauter. La bienveillance, en tout cas. De la bienveillance. Je regarde la dernière, là, c'est ça? La justice divine intervient pour vous. La justice divine intervient pour vous. Vous allez vivre une belle aventure qui va vous mener vers un engagement avec une belle ouverture d'esprit. Et vous allez être dans la bienveillance. Je répète, hein, je me répète, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je ne me répète pas comme ça à ce point-là. Allez, celle-ci. Maison. Jalousie pour la maison, par rapport à la maison, Gabi? Je ne sais pas. Et celle-ci. Si vous attendez les résultats d'un procès ou d'un jugement, ce sera positif. Il y a la jalousie par rapport à votre foyer. Et vous allez ben voilà, créer encore quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, quelque chose de nouveau arrive. Vous allez voyager, Gabi, ou faire des déplacements? Enfin, ça veut dire la même chose, mais je veux dire voyager pour un voyage d'agrément ou faire des déplacements professionnels, par exemple. Ah, il y a eu des trahisons, hein, y a eu des trahisons et de la jalousie. Hein, donc, ça n'a pas été facile pour vous. Hein, encore la jalousie qui ressort. Vous vous sentez peut-être coupable aussi par rapport à une situation. Une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour qui arrive avec la naissance de quelque chose de nouveau pour la maison, pour le foyer. Si vous souhaitez avoir un enfant, pourquoi pas. Ça peut être la naissance d'un enfant également. Vous allez sortir de l'instabilité. Si vous attendez les résultats d'un jugement, ce sera positif. Et vous allez faire un beau voyage en amoureux. C'est ça, Gabi? Donc c'est ça. Je continue avec ce jeu? Je change de jeu. Déjà? Alors, je prends celui-là. Allez, pour les amis Verseau, pour août 2023. Quels sont ces messages? Gabi. Celle-ci. La justice divine encore. Bah, dites donc, ça fait trois fois que ça sort, la justice. La justice, elle est sortie trois fois. Il me semble, hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, deux fois? Ah non, deux fois. J'ai cru trois fois, moi. Pourquoi? La justice là et la justice là. Bon, je perds du temps là, Gabi, à chercher. Je ne sais pas pourquoi je cherche d'ailleurs, puisque non. Donc non, elle est bien sortie que deux fois. Mais en tout cas, vous avez la justice qui intervient. Donc vous êtes protégé. Donc c'est positif pour vous si vous attendez les résultats d'un jugement. Vous allez être soutenu, aidé. Je continue avec ce jeu. La dernière. Il y a un bel amour. Alors, on a bien eu la carte de l'amour, là il y a bien un amour qui est là. Vous avez un admirateur ou une admiratrice. Regarde la dernière. Vous avez pourtant fait beaucoup d'efforts. Vous avez dû avoir des difficultés, des contrariétés par moment. Vous allez pouvoir faire la fête au mois d'août. La fête entre amis, en famille. Vous allez retrouver de la joie de vivre. Ça va être un peu plus léger qu'avant. Allez, pour les amis Verseau, pour août 2023. Et les mois suivants, hein, parce que s'il y a la naissance de quelque chose, c'est pas juste pour le mois d'août. Vous allez vous sentir plus libre. Vous allez, il y a le mouvement qui revient. Vous allez bouger. Vous allez bouger. Enfin, pour certains, faire un voyage. Hein. Vous partez sur quelque chose de nouveau.
quelque chose de nouveau. Vous allez vous sentir mieux. Il y a un engagement, il y avait l'engagement, il y a l'amour, il y a quelque chose de nouveau. Je continue ce jeu, Yami, ou pas? Tu m'as dit non? Je change. Celui-là? Allez, pour les amis qui regardent la vidéo, quels sont tes messages? Pour les Verseaux, pour août 2023. Encore la trahison qui ressort. Bah décidément, là, c'est... Si c'est pas fait exprès, moi, j'y crois plus. Hein. Pourquoi tu... N'importe quoi. Si c'est pas fait exprès, ce serait bizarre. Il y a encore l'amour qui sort. Alors, vous avez la trahison qui sort et l'amour. Alors, il y a dû avoir des trahisons autour de vous. Et en tout cas, c'était une expérience à vivre. Donc, il faut prendre ça comme une expérience. Il y a eu des liens toxiques à un moment donné dans votre entourage, peut-être. Vous allez sortir de tout ça, puisque c'était... pour ceux qui appellent ça le karma, c'était du karma. Je continue avec ce jeu, Gaby, hein. Je comprends pas. J'arrête ? Pour la dernière. Et le voyage qui ressort encore. Donc, vous avez bien voyagé. Ça, c'est sûr. Je prends celui-là. Ça, c'est sûr. Ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Pour vous forcer à voyager non plus. Hein. Et pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir un petit voyage. Un petit voyage. Il y a bien un petit ou un grand voyage. Un voyage. Résolution pacifique pour ceux qui étaient fâchés. Et des relations profitables. Vous avez des relations profitables, j'ai pas d'autres mots à dire finalement. Allez, pour Verseau, pour les amis Verseau, pour août 2023, vous êtes aidés par les archanges. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, sur vous-même, et vous allez avoir de grands changements positifs. Celle-ci. Si vous y croyez. Donc surtout, croyez-y. Celle-ci, celui-là. Allez, pour les amis Verseau, pour août 2023, un message de l'archange Gabriel. Allez, oui. Hop là. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment ? Donc à vous de voir ce que vous voulez, ce que vous sentez, ce qui vous fait envie, au plus profond de vous. Et laissez de côté ce qui ne vous convient plus, en fait, c'est ça. On fait un autre tirage de cartes, celui-là. Parce que j'aime pas finir sur cette carte-là, j'ai pas envie. Allez, une dernière carte. Espoir pour vous, les amis. Le futur, un beau projet pour vous. Vous partez sur quelque chose de nouveau, c'est confirmé. Et quelque chose de beau, Gabi, c'est ça? Alors voilà, je voulais compléter un peu le tirage de Marie-Hélène et dire qu'elle n'est ni voyante, ni voyante. Tu voulais dire ni tarologue, ni astrologue? Ni voyante. Vas-y. Alors voilà, je voulais compléter le tirage de Marie-Hélène et dire qu'elle n'est ni tarologue, ni astrologue, mais pas voyante non plus. Elle est juste médium et elle entend l'archange Gabriel dans sa tête depuis septembre 2021. Et si vous voulez savoir comment je suis arrivée dans sa vie, vous pouvez aller voir la première vidéo de la chaîne, c'est ça? D'accord. Alors je dis bisous bisous à tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, donc là c'était l'archange Gabriel qui parlait. Allez, bisous bisous à tout le monde, à bientôt pour une prochaine vidéo.